chez son soutien-gorge. Elle porte du quoi, elle? Du A, du B, j'imagine. Elle vient ici. Ne sois pas gêné. C'est le gros pilier là-bas, là. On fourre ça dans le fond. Je l'ai fait éclater. Ah, ça fait du bien. Il brûle ma queue. Il veut la manger pour le dîner. Non mais cochon. Merci, merci pour ton don, c'est très apprécié. Salut tout le monde, bonsoir. J'espère que vous survivez si vous êtes au Québec, dans la région de Montréal. Il y a beaucoup de vent en ce moment. Il y a des rafales jusqu'à 90 km/h. J'ai commencé avec moins d'une minute de retard parce que j'étais voir sur notre balcon, puis la toile de notre barbecue allait s'en aller et c'est un enfer, un peu comme le jeu de ce soir, Hellfire, Diablo, que je vais vous montrer. Alors voilà, tout est près de mon bord. Je vais m'assurer que tout soit beau. Je crois qu'on est prêt à commencer. Donc on va s'y mettre dans cette vue. Je m'excuse à l'avance si je perds l'électricité ou Internet durant le stream. Ça peut arriver, étant donné le vent très intense qui a lieu en ce moment à l'extérieur. Alors, on va commencer. C'est le dernier stream de Diablo, défi No Healing, No Back to Town. Alors, on espère que ça va être bon, parce que là, en fait, il y a un personnage que j'ai pas joué encore. Là, je vais faire une exception au choix aléatoire du perso. Je vais prendre le sorcier, je l'ai pas pris encore, et je vais faire une partie avec lui. Donc, on va commencer dans quelques instants, le temps de partir un timer, d'entrer mon nom, et voilà. Time. Alors, c'est ça. Je vous rappelle que vous pouvez m'aider si jamais vous voulez faire en sorte que ça allait mieux pour moi. Alors, c'est ça. Les infos sont en bas à droite. OK, donc on y va. Allons-y. T'es habitué, ça fait deux mercredis, que je fais ça. C'est le dernier, là. J'ai pas l'intention d'en faire d'autres ensuite. J'essaie d'économiser le mana. Le sorcier, c'est la classe la plus faible. Toutefois, à long terme, c'est la classe qui peut faire le plus de dégâts avec ses nombreux pouvoirs. Le mana, j'ai aucune limite là-dessus. Je peux en prendre tant que je me soigne pas. Alors, c'est ça. Au début, c'est assez facile. Le problème avec le sorcier, c'est plus tard. Lorsque je vais manquer de mana et que je vais être extrêmement vulnérable, là, ça se peut que je la trouve moins drôle et que la run se termine. Donc, on va essayer d'économiser le mana. Il y a des ennemis. Les ennemis meurent pas mal en un coup, là. Ça fait 7 à 16 mes pouvoirs. Pas des choses spells. C'est Hotkey B, ok. 7 à 16, c'est ça. Oh bon, finalement, on va commencer à utiliser plus de mana. Ma vie est plus basse que j'aurais aimé. Oh, t'as le tumeur zombie. Il est pas mal faible, le sorcier, alors faut que je fasse attention. Oh boy. Ok. Ok, je peux pas me soigner. Sauf si vous me le permettez. Je peux aussi utiliser l'arc, c'est vrai. «
peux utiliser mes hotkeys. Et je me prépare. C'est bon. On va la jouer safe de temps en temps. On a un arc, on va bien l'utiliser. Ouais, le vent frappe tellement fort que tu le sens dans les murs du condo que ça frappe. On est au troisième et dernier étage d'une unité, donc le vent, on le pogne beaucoup plus comme on est en hauteur. Ça, c'est un des inconvénients de vivre en hauteur, d'ailleurs. Heureusement, ils sont pas capables d'ouvrir les portes, donc on va faire attention. Mais ça cogne. Ça va mal dormir. J'ai aucune idée qu'est-ce que ça fait, mais j'ai besoin d'armure. Merci. Alors, là, avec le magicien, là, le sorcier, c'est le mana. Je vais tout mettre dans le mana, je pense. Je fais là. OK. Donc, si jamais on a un bingo ce soir, je vais jouer à 5 minutes de GeoGuessr, du moins pour la première grille, si on en a un. Mais pour l'instant, je vois rien qui nous amène vers de cocher une case. Ça sera pas facile ce soir. Ouch. Je veux vraiment pas qu'il s'approche. Ok, le niveau 2 est là. Allons-y. Ce qui est le fun avec le sorcier, c'est que... Il fait pas mal de bons dégâts. Donc ça, c'est super bien. Là. Healing, on s'en débarrasse. Je veux pas ça dans ma hotbar. Parce qu'Avenger, c'est facile, ça. Faut qu'il approche. Bon, pour l'instant, le niveau 2, il est facile. Pour l'instant. Aïe, aïe. Fallen One, ce sont exactement les mêmes ennemis que le niveau 1. Ça ressemble à ça, on dirait. Oh, il y a des archers par contre, ça c'est nouveau. Oh shit, ok, ça c'est nouveau. Plague Eater, ça fait mal en plus. Faut vraiment que je pense à l'usage de ma mana là. Oh shit, bon là. Merci. Holy Bolt, ça se prendrait bien comme pouvoir. Aïe aïe. Donc, je mets tout dans la magie. Mana Shield, ce serait un bon pouvoir. Il y a des bibliothèques pour me faire apprendre des sorts. Ça, c'est très utile quand t'es mage. I have no room. No room. Hmm.
Oh, monde ici. Oh, beaucoup de monde. Les archers, ça, ça fait mal. Il y en a un autre. Oh, un boss. Ok, cool. On va pouvoir les prendre ici en fil. En avant. Allez, venez-vous-en. Shit. Il manquait. C'est Shadowbite. Ah, il est immune? Ah, il est immune. Ah, c'est... Il y a une immunité. Je vais aller prendre un niveau supérieur juste pour le confort. Ici. Ensuite, je vais revenir plus bas. Je vais essayer de fuir Shadowbite parce qu'il est immunisé au feu. C'est pas un resist fire, mais c'est un immune fire. Le truc à savoir quand tu joues le sorcier, c'est que tu dois gérer les immunités. Chose que c'est pas un souci avec les autres persos qui font des attaques de mêlée, là. Mais ça, c'est un truc dans Diablo 1. Ouch, ouch, ouch. Je vous le dis, il est vraiment faible, le sorcier. On essaie de faire très attention. Et des ennemis là de même, c'est parfait. Cap. Tellement lent là. Tirer des flèches. Et ça m'évite d'utiliser de la mana qui est super précieuse. Come on. Ce que j'aime des pouvoirs, des spells, c'est que tu as 100% de pourcentage de hit. Donc, de 100% de probabilité de toucher les ennemis. Ce qui n'est pas le cas avec les attaques de mêlée, les attaques avec armes. Donc, ça, c'est une mécanique spéciale à Diablo. Du moins, le 1 et le 2, ils ont ça. Le 3, c'est 100% de hit à chaque fois, là, donc... c'est une mécanique que tu trouves habituellement dans d'anciens jeux de rôle. Tu sais, je pense à... Dans la série Elder Scrolls, Morrowind était comme ça. Oblivion, maintenant, c'est 100% de hit par coup, là, mais... Mais c'était comme ça dans le temps. Morrowind, The Elder Scrolls 3. Tu donnais des coups d'épée, là, dans un monde first-person view, là. Et tu donnais des coups, puis tes coups pouvaient pas enregistrer parce que si ton pourcentage de hit était pas. Ton pourcentage disait que tu pognais pas l'ennemi en fait. Ok, donc. Plus de magie, plus de magie. Ah, non. Ça, j'ai utilisé ça pour rien. C'est 3 de magie par boule de feu. Donc ça veut dire que je peux lancer 30 boules de feu
avant que ma barre de mana soit basse. Mais là, je vais m'en aller d'ici. Je venais ici pour un niveau supérieur, rien de plus. Puis peut-être des potions de mana. Je viens d'en voir une à terre que j'ai oubliée. Ça, c'est bon. Là, je dois gérer Shadowbite, par contre, à l'autre place. Et ça se peut... J'ai envie de rester un petit peu plus longtemps. Si je peux trouver un sort qui me donnerait des dégâts autres que des dégâts de feu, ça serait vraiment super. Oh, de la mana. Ben, finalement, je fais bien de rester ici. Il y a souvent des shrines ou des bibliothèques dans chaque niveau, là, donc je vais espérer en trouver une. 4 sur 30, 9 sur 30. Je voudrais pas que ça tombe. Parce que Shadowbite, il va me suivre partout dans le niveau, sauf si je bloque une porte. Mais de mémoire, les portes que j'ai découvertes dans le niveau 2 sont bloquées en ce moment par des cadavres d'ennemis. Parlant de cadavres, il était en train de manger un de ses amis. J'ai prévenu ça. Hey, le zombie. Merci. On les tue tranquillement. Merci. J'aime pas les scavengers. Ok, good. Pas de livre, je suis déçu. Il faut que je fasse attention à la durabilité de mon arc. Parce que je peux pas retourner en ville pour le réparer. On a atteint 500 pièces d'or. Juste lui. Ça veut dire qu'il y a de quoi dans le bingo que je peux cocher. Reach 500 gold. Voilà. Continue. Je suis vraiment déçu, il n'y a pas de livre. Qu'est-ce qu'il y a ici? Alors, les zombies. Ouch! J'ai mangé du dommage pour rien. Y'a-t-il autre chose que de l'or ici? Non. Ok. Je pense qu'on doit aller maintenant voir Shadowbite. Ok.
qui est immunisé au feu, malheureusement. I have no room. Qu'est-ce qui est mieux? Short Staff of Mana, ça sert à rien pour l'instant. La seule chose qui peut frapper Shadowbite en ce moment, c'est mon arc. Ok, on va prendre la fuite. On va voir si on peut l'emmener quelque part où c'est il est plus facile à contrôler. J'ai peut-être trouvé une place. La porte est bloquée. Ouais, ici. Je me dépêche, par contre. Il a arrêté de me pourchasser, je pense. Oh non, la porte. J'ai bloqué la porte. Mais je pense que c'est bon. Il a arrêté de me poursuivre. Firebolt. Ouais, c'est pas utile. Ben, ça monte mes dégâts, mais j'ai besoin de, d'une autre source de dommages que... j'ai besoin d'une autre source de dommages que les que le feu. Search. Identify. Ouais. Ah, plus 4 dextérité, ok. Pas utile, mais bon. Ok. Dans ce cas. On va essayer de continuer le niveau. Mieux que je peux. Ok, good. Oh non, il faut que je retourne vers Shadowbite. Parce que c'est un cul-de-sac. Oui, si la porte est bloquée. Donc Shadowbite, on va l'attirer dans là où j'étais. Viens ici, s'il te plaît. C'est vraiment... Il y a une immunité, ouais, c'est ça. Donc... ici. S'il te plaît. Peux-tu venir ici, s'il te plaît? Oui, viens-t'en. Touche-moi pas. Oh, shit! Ah, faut pas qu'il me touche. Ok. On va le tenir ici en, dans le coin. Là, on fout le camp. Espérant qu'il me suive pas trop. Qu'il arrête la poursuite. Oh non, il est pas collaboratif. Non. Il me suit partout. Va-t'en. Je peux pas être ton ami. Et c'est bon. Je pense que là, il est correct. On est bon. Ok. Ok, le niveau 3 il est ici. Est-ce qu'on y va? Go! Pire des cas, on revient en arrière. Oh, une bibliothèque. Ça veut dire. Oh, un resist fire. Ouch, ouch, ouch. Ok, là, faut que je fasse attention. Là, mon arc il commence à ne plus être utile. Ok. Oh God. Un
bâton qui est tombé. Lightning Wall. Ah, ça peut être bon. 14 charges. Ah, c'est bon. Je pense que mon arc ne devient plus très utile ici. Donc, j'ai deux pouvoirs. Il y en a un que je peux pas utiliser, ça me soigne. Alors, on y va. C'est des Dark One? Ok, des Dark One. Oh, 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 non, 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 ça va pas bien. Ah, les capitaines, ils sont très résistants. Zup. On se pousse, on se pousse. Ça va pas bien. Ok, j'ai des trucs pour faire du lightning, par contre. Mais là, ils sont à l'entrée du niveau. Ce qu'on va faire, on va rester ici jusqu'à ce qu'on se monte d'un niveau. En plus, qu'on trouve du mana, très bien. Je peux même utiliser mon arc. Ouch! Un piège non voulu. J'ai perdu 90% de ma vie. Il faudrait que je sois en bas de 3 pour avoir perdu 90%. Cryptic Shrine, aucune idée qu'est-ce que ça fait. Ah! Ça m'a remonté ma magie. Cool, merci. Ouh, ouh. Ben là, là je pense, ouais, là j'ai perdu 90% de ma vie. Alors, attends, je vous le donne. Ok, on continue. Ben là, là si je traverse la porte, je me fais one-shotter par un archer, hein? Alors, je pense pas que c'est une bonne idée d'aller par là. On va revenir plus loin. Là, s'il y a un archer, il me tue, hein? Morning Star, Potion of Healing. J'aurais vraiment besoin de soins. Dit qu'un viewer qui veut utiliser ses points de chaîne, bits ou dons, pour le faire. $2000 d'XP manque. On va se croiser les doigts, on va espérer que c'est bon. Ça fait rien.
C'est vrai, là, maintenant, ça fait 3 de mana. C'est ça que ça prend. Okay. Ça devrait être correct. À moins d'une gaffe, là. Je devrais pouvoir m'en sortir. Rotting Carcass, j'en ai même pas de mur en bas. Ok, cool, merci. Et qu'est-ce que je fais? Je pourrais retourner dans le niveau 3, caster. Faire le sort de Lightning Wall. Et tuer les Burning Dead Captain de même. Mais là, c'est risqué. Je crois qu'il y a... Bon, on va s'essayer, ok? Puis on meurt, c'est pas grave. Ok, ça va bien, ça va. Et dans le feu, s'il vous plaît. Ok, good. Lui, il refuse de venir dans le feu. Ok, on s'en est sorti. Là, ça veut dire que j'ai des dégâts électriques. Et bien. Il y a beaucoup d'ennemis résistants au feu ici. Ok, ça résiste-tu au feu, ça? Je sais pas. Je peux pas attaquer par en arrière là. Okay. C'est bon. Where would I put Inferno. Ok, encore du feu, mais bon. Moi, c'est bien pour des entrées de salles. Rag. Light Radius, on s'en fout. Healing, je peux pas l'utiliser. Phasing, ok. Town Portal au cas que des gens paient pour utiliser leur point de chaîne. Healing, c'est trop. Ok. Et combien Inferno? 3 à 15. Ah, c'est pas Firebolt, c'est meilleur. Ouais, ça résiste beaucoup. Ok, c'est bon. Come on. Arrête de bouger. Bon, il me manque 5 charges par contre. Les ennemis semblent être intelligents, ils foncent pas dans les murs. Oh god. Ils sont capables de prendre des dégâts de feu, c'est juste que ça prend plusieurs balles de feu. Ouais, je les ai tous tués. Ok.
en montant. Ça, c'est de la tombe de Léoric. OK, le niveau 4 est là. On va aller voir le niveau 4. Qu'est-ce qu'il y a dans le niveau 4? OK. Les Burning Dead. Les Volcans. Semble bon. Des fois, ils sont pas capables d'ouvrir les portes. Je veux dire, je peux faire ça. Voilà. Je vous le dis, c'est le fun. Le côté dommage, là, le sorcier, c'est le fun de jouer avec. Ah, un premier Resist Fire officiel, tel qu'affiché. Alors, ça veut dire qu'on a un Resist Fire dans le bingo. Et on revient à Hellfire. Venez ici, s'il vous plaît. Merci. Oh non! C'est ça que je veux. Bone Gasher. OK. Ça, c'est fort. Il y a une cape, il y avait une amulette ici. Et ça, c'est un cul-de-sac. Oh, club. Qu'est-ce qu'elle fait, l'amulette? Ah, je sais pas. Lightning, ok. Il me reste 4 charges de l'autre truc. Burning Dead. Where would I put this? Beau, pourquoi pas. 2360, ça doit être High Durability, l'affixe. Okay. Oh yes! Plein d'ennemis incapable d'ouvrir une porte. Oups, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça ici. Mourir. Pas exactement l'effet voulu, mais bon. Not enough mana. Et avant de prendre mes potions de mana, j'essaie de. Vider mon bâton qui me recharge. Très utile. Oh yeah. Ça peut être une bête en magie par contre. Okay.
Infravision. Oh, ça, c'est bon. Hein, deux boules de feu, à peu près. J'ai gaspillé, faut que je fasse attention. Ok. Ça va bien? Ça va très bien. Internet est pas tombé, là? Non. Tant mieux. Avec le vent, là, faut faire attention. Ah, c'est la quest du Dark One. Oh! Ok, cool. Hey! Parfait. Bon, bon, on va pouvoir aller à l'acte 4 rapidement. Oh shit! Je savais pas que. C'était dans ce niveau-là. Fais attention. Merci. Je pense qu'ils sont resist. Ouch! Mais ça m'a enlevé comme 20 points de vie d'un coup. Ouch! Shit! Vous voyez, ça fait mal! Ah! Là, je suis mal en point, par contre. Eux, ils résistent au feu. Hein. Oh, pas vraiment, hein? Allez, viens-t'en. Attends que j'aille te chercher. Ah, merci. L'œuf de magie, oui! J'ai ses arrières un petit peu. C'est bon. Where would I put this? Oh, Staff of Ring of Fire. Oh, yeah. Armor and shields. Right click to use. Pas vraiment utile. Ça fait Ring of Fire, ça m'a l'air bon. Je peux pas passer à côté. 16 charges en plus. Ok. Il y avait. Voyons. Cap. Bon, il faut que j'emmène ça. Bon, là, je pense que ça va être le temps d'utiliser Lightning Wall. On va aussi recharger ça.
en 5 charges. Where would I put this? On fasse attention ici. Donc là, le plan, c'est qu'on sauve, on casse ça, et ensuite, on tient la porte. Okay. Oh yeah, baby. Oh, une Morning Star unique en plus. Oh là, on s'amuse. Oh non. Attention à ma magie par contre. Oh, oh shit. Star, je l'ai pris. Tout le monde est mort. Et je pense que c'est bon. On s'essaie dans le niveau 5. Dans le pire des cas, on vient au niveau 4. Hop, tout en haut. The smell of death surrounds me. Ok, là, infravision va être utile. J'ai pas vu. Il y a des Eden, ok. Ça, c'est un type d'ennemi. Ok, ça, ça va. Il faut que. Ça commence à être difficile ici. Ouch! Un piège. Des squelettes, ça va. Un livre, un scroll que je ne peux pas utiliser. Oh non, fireball, c'est bon. Ok, comme ça. Manque beaucoup d'XP. D'ici le prochain niveau. Oh shit! Des glous. Je les aime pas eux autres. Ok, il y a des. Ça, ça va faire assez fort si ça me touche. Oh, il m'a one-shoté, c'était un boss! Ah zut! Je le savais même pas. Ok, bon ben. Les règles étant les règles, j'ai terminé ma run et ça met fin. Ça a pris 47 minutes. Alors voilà, ça conclut comme ça. Donc, on va faire une nouvelle partie. On va supprimer ce perso. Là, je vais faire quelque chose. Le prochain, on va le choisir au hasard. J'ai comme envie de pimenter un peu la chose. Là, vous voyez, il y a comme deux nouvelles classes qui se sont ajoutées depuis la dernière fois. C'est que juste avant le stream, j'ai activé de quoi pour ajouter deux classes pas complètes, mais que les développeurs de l'extension du jeu Hellfire ont mis dans le jeu. Donc, le barde et le barbare. Le barde, ça a pas l'air trop le fun à jouer, mais le barbare, je l'ai essayé un petit peu tantôt. C'est intéressant, sa mécanique. C'est juste que
il est fort, mais son pourcentage de two hit là, il est vraiment pas bon. Alors, ce que je vais faire, c'est que on va préparer une roue de fortune où on va choisir le prochain perso, à moins que vous utilisez vos points de chaîne ou bits ou dons pour choisir le prochain perso. Alors, si vous avez 10 secondes, le temps pour moi de faire un refresh de tout ça. Alors, nous allons nous mettre ici et ça va être qui? Ça va être... Encore le sorcier? Ah, ben moi j'aime ça le jouer. Alors, c'était pas prévu, mais on va le garder. Donnez-moi juste 2 secondes. Je vais me mettre ici. Peut-être que là, dans notre prochaine run avec le sorcier, on va avoir accès à de meilleurs sorts parce que là, j'étais limité avec Firebolt. Et ça aurait été le fun d'avoir un Mana Shield ou quelque chose comme ça. Ça aurait été vraiment le fun, honnêtement. Ça va être le sorcier. On va réinitialiser le timer. Alors, 1, 2, 3. Go! Est-ce que je peux faire mieux que 47 minutes cette fois-ci? Là, Staff of Mana, je commence avec Firebolt et Staff of Mana. Voilà. Donc, je me suis rendu au niveau 5 pour une première run. The sanctity of this place has been fouled. Ah oui, 2 secondes, j'ai oublié de m'afficher le bingo pour savoir si on a quelque chose qui s'en vient. Ah, mais attendez, Dark One, 5 quests, je l'ai fait. Alors, voilà. C'est fait. Alors, on y va. Oui, je me rends au niveau 5 et qui est Arcane's Valor, l'armure, pour pouvoir l'avoir. C'est 3 de mana, ok. Et c'est mon premier casque de la journée. J'en avais pas eu avant. Voilà. Ok. Aïe. Bon, là, ma mana commence à être un enjeu. Merci. Enchanted Shrine. Ça fait quoi ça? Peut-être donner quelque chose, non? Ah, mais le pouvoir est maintenant niveau 2. Je sais pas si c'est ça, mais... Bref. Un arc. Toujours utile. On s'éloigne un petit peu. Merci.
J'aurais aimé ça avoir mana shield. Moi, je mets tout en mana, là, en magie. Je pourrais avoir mana shield ou de quoi de même, ce serait merveilleux. Parce que mana shield, ça reste en permanence sur toi. Ouch. Identify, ok, mais rien à identifier pour l'instant. Parfait. Oh shit, je fonce dans une merde d'ennemis. C'est le 1 ou 2 de points de vie, c'est pas un problème de tuer ça. Allez. Bon, merci. Pas de dégâts ou qu'est-ce qui se passe? Mais voyons, il est fort ce zombie là. Il mange ça. Bon. Pas trouvé le niveau 2 encore. Ah, il est là. OK. Oh, le niveau 3. Good. Et niveau 4? Qu'est-ce qui se passe? Mais attendez, j'ai vu un livre de sorts. Ici. On va aller le chercher. Wow! Ici. Charge Bolt! Ok, ça ouvre des options. Parfait. Ça va être mon deuxième pouvoir. Ok, j'ai des options maintenant. Contre les fire Resist. Ok, je me prépare au cas. Mais par contre, ça se peut que ce soit difficile. Ouais, c'est ça. J'ai des options. System mana, ok. Watch. Ok. Ça va. Ça va monter vite les level up. Je suis under level un petit peu là. Oh crap.
Oh! Il fesse fort, par contre. Ouf. Ouf! Passé près de la mort encore. Ben là, je suis beaucoup trop... Mon niveau est très bas, là. On a une petite pause. J'ai rien identifié. Et... Ok. Oh, c'est Garbat the Week. Voici, je l'affronterai pas. Come on, come on. Meurs pas, s'il te plaît. Ah, come on. Merci. Ok. Ouais, je suis vraiment... Le niveau est très beau, là. Et Quiet Shrine, qu'est-ce que ça fait? Ça a monté ma vie un petit peu. Mais pas tant que ça. Gold Shrine. Ah, ils donnent beaucoup d'XP aux autres, ils sont faciles à tuer, yes! Oh god, non, 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 je suis mort! C'était impossible, il y a un knockback, oubliez ça, oh zut! C'était super prometteur jusqu'à ce que je tombe là-dessus, puis que dès qu'il te frappe, oubliez ça. 11 minutes! Waouh, c'était court comme run. Ok, donc vous savez ce qui s'en vient, on va en faire un autre. ok, donc là ce qu'on va faire, c'est que je vous montre mon desktop. Puis là, pour la suite, on va éliminer les persos qu'on a joués. Comme ça, on va avoir un petit peu plus de diversité. Ça va être le Warrior. Ouais, ça va être le Warrior. C'est ma troisième run avec le Warrior. Guerrier. On va le faire. Donc, le guerrier, nouveau héros, Warrior, GDI, et on y va. Et oh, j'ai oublié de partir le timer. Donc, dans 3, 2, 1, time. Let's go. Okay. The sanctity of this place has been fouled. Bon, là, ça va être plus facile le début. Le Warrior, c'est une bête, là, donc. Murphy's Shrine. Ça sent pas bon ça quand ça commence par Murphy. La loi de Murphy. J'ai tellement pas envie de la prendre parce que ça, c'est tellement un mauvais nom. Non, on va s'en aller. Non. Quiet Shrine, c'est déjà mieux. Finalement, j'allais dire que c'était facile, mais on va
va prendre ses précautions. Ouais, c'est ça, ça monte ta vie un petit peu. Ça te donne 2 points de vitalité, en fait. La fin. Prochain niveau. Ah, il est là. Déjà, Blade Skin. Je suis encore niveau 1 en plus. On va utiliser le fait qu'ils ont peur un petit peu pour les attirer ici sur le coin. Ok, on s'en va. Fall back. On retourne à l'ancien niveau. Se soigner un peu. Tuer des ennemis plus faibles. Comme celui-là. Et on retourne dans le niveau 2. Come on. Pas le meilleur move que j'ai fait, mais bon. Ouais, les ennemis sont forts ici. Stone Shrine. Ça fait quoi ça? Je le sais pas. Les premiers de la soirée. Attention. Aïe. J'en tue un puis un ou deux puis je suis correct. Vous l'avez dit. Ah, niveau 3 est là. Par contre, c'est peut-être un peu intense aller au niveau 3. Mais on va quand même aller voir.
Pas sûr. Ouais, back off, back off, back off, back off, back off. Ouais, back off. Hello, hello. Hé, hey, je veux m'en aller. Non, allez, va-t'en. Ok. Et pareil, ok. Moi, je vais retourner au niveau 1. J'aurais pas dû faire ça. Moi, au niveau 1, les ennemis sont faciles. C'est pas que je me fasse encercler par contre, mais bon. Sabre, ah ça c'est bon. Plus de dégâts. Oh, Staff of Holy Bolt, ça c'est bon. J'ai peut-être pas la magie pour l'utiliser, par contre, ça me prend 20 de magie, j'en ai 10. Dagger, c'est pas bon. Toujours pas assez en points pour tourner au niveau 3. Salut mes gars, content de te voir, ça va bien? Bienvenue sur le stream. Regarde à côté, tu fais quoi en avant? C'est de me monter en niveau là, parce que je suis sur le bord de mourir. Donc je m'en vais dans des niveaux moins bons, moins difficiles en fait, pour prendre de l'expérience facile pour ensuite recommencer à aller dans les niveaux plus profonds dans Diablo. C'est des devoirs? Ok, ça marche. Quel genre de devoir, je crois. Ok, alors on continue. On va aller... Manque 400 d'XP. Ça devrait être correct. Oh. Ah, écriture. Ok, ça marche. Merci pour l'info. Manque 100.
Ben, je continue à explorer. Oh yes, un level up. Parfait. Là, je vais... Je pense que je vais mettre de la vitalité encore. Ok. Je vais essayer d'aller dans le niveau 3. Mais faut pas que je perde trop de points de vie dans le niveau 3 si c'est trop dur. Puis là, à l'entrée, il y a plein d'ennemis en plus. On va essayer de s'en sortir. Oh my god, ok. J'allais dire pas perdre trop de points de vie, j'en ai perdu 80%. 70%. Aïe aïe aïe. Bon ben niveau 2 ça va être. De pas mourir. Oh boy. Oh boy. Il me reste 8 de vie. Je vous rappelle que vous pouvez me soigner en utilisant vos points de chaîne, des cheers ou des dons. Ah, merci! Merci beaucoup, Méga. Je me soigne maintenant. Merci beaucoup. Je suis plein. Oh, ça va pas bien. On s'en va. Le guerrier, c'est une des classes les plus difficiles parce que t'es obligé, pour le jouer efficacement, de te battre au corps à corps. Donc, je m'en vais dans les portes comme ça pour contrôler les foules. I can't carry anymore. Un arc, ça peut être bon, mais ça me prend de la dextérité pour l'utiliser. Stuff. 35 de dex, c'est beaucoup. Dextérité. Bon, je retourne-tu dans le niveau 3? On va retourner. On va essayer de faire attention. Oh, il y a un trou ici. C'est de là qu'il arrivait tantôt. Oh, des archers. Bon, eux vont me déranger par contre. C'est pas utile pour moi en ce moment. Oh, des Black Death. Oh, ça c'est... De mémoire, c'est fort, ça. Ouais, c'est fort. Oh, c'est fort, maudit. Et ça m'a failli me tuer encore. Ok, mais par contre, il me reste seulement 2000 d'XP. Et ça va être long, par contre. Et on retourne. On s'en va. On est trop... on n'est pas à 100 points ici. Pour rester ici. 4 points de vie. 2000 d'XP à avoir. Est-ce que ça va fonctionner? Oh non. Des Fallen Ones, ça va. Des zombies, ça c'est plus touché. Et j'ai failli mourir là-dessus.
On essaye. Oh non! Je suis mort à un coup. Bon. OK. On va recommencer avec un autre perso. Puis on va mettre le temps. Hey, c'est pas... mes deux dernières runs, c'est pas mémorable, on va le dire de même. Dans ce cas-là, on va aller ici. On va aller dans la roue de fortune. Donc, qui comprend pour le prochain? Pour le prochain, qui comprend? Monk? Ouais, c'est le moine. Il est pas très bon au corps à corps, lui non plus. On va écouler les stocks ce soir, on dirait. OK, donc ça va être le monk. Prendre une petite gorgée. Comment s'est passée votre journée de votre côté? Je suis curieux. Quels sont vos faits saillants du jour? Et alors... ça va être le monk. 1, 2, 3, go! Fait que je me suis fait soigner une fois. Si je me faisais soigner une deuxième fois, le bingo avancerait. Et si jamais on a un bingo, je joue pendant 5 minutes de temps à GeoGuessr devant vous. 5 minutes parce que c'est la version... la version gratuite, tu peux jouer 5 minutes. The sanctity of this place has been fouled. Mais j'en tue du zombie puis du Fallen One ce soir. Vite le moine, le monk, j'aime ça. J'ai même pas pris de dégâts encore. Quoique lui, il n'y a pas beaucoup de points de vie par contre. Première fois que je me fais toucher, ça a pris 2 minutes 56.
Ça va bien. Et le fun avec le monk, le moine, c'est qu'il peut bloquer les coups. Il peut bloquer les coups avec un bâton. Est-ce qu'il vente très fort dans votre coin en ce moment? Moi, il y a beaucoup de vents très forts qui frappent les murs de là où on habite. Holy Bolt, ça pourrait être bon. Juste besoin de 5 points de plus en magie. Je pense que je vais utiliser ça. Okay. Oh, c'est bon ici. Aïe 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 aïe, ça fait donc bien mal. Bien, puis tout d'un coup, ma run prend une toute autre tournure. Merci. Ok. Donc, j'ai besoin d'une fin de magie pour pouvoir utiliser ce bâton. Il va me permettre de faire Holy Bolt. Secret Shrine, qu'est-ce que c'est? Je me suis fait donner de la magie? Ah, je me suis fait donner Charge Bolt. Ok, cool. Ok, c'est bon à savoir. Ça, le moine est vraiment faible au corps à corps. Et sa grande faiblesse, c'est le corps à corps. Mais il est bon, je veux dire, mais il prend tellement des dégâts facilement. Utiliser plus Holy Bolt pour le temps qui reste avec. Des archers squelettes, pas de niaisage dans ce cas-là. Un petit peu en... Pas mal sûr que ça durera pas longtemps cette run-là, alors je serais surpris qu'on dépasse le niveau 3 ou le niveau 4. Boss.
est-ce qu'il est mis? Oh non, il est correct. Il va mourir vite. Comme ça. Bref, on charge par contre. Et on revient là-bas. Vraiment faible au corps à corps, le monde. Oh, oh, un boss. Ok, je vais garder Holy Bolt pour lui. Ah, ça se bouge pas, s'il te plaît, bouge pas. Il a bougé. Ok, cool, il est mort. Bon, je n'ai plus de Holy Bolt. Un chapeau. Ouais, un chapeau ici. Place. On va se faire de la place. Voilà. Pas beaucoup de points restants pour de l'XP, alors je pense que j'ai trouvé le niveau 3. Ouais, j'ai trouvé le niveau 3. Est-ce que je m'essaye? Plus c'est de masochiste un petit peu. Je peux tenir une porte au besoin. Ok, je pense que ça va être correct. Non, pas le bel, pas si je m'avance de même comme un con. Voilà. I have no room. Ça a l'air bon. Des carvers, des shadow beasts. Rien de trop majeur pour l'instant. Plague Eater. Oh, Scroll of Identify, c'est bien. Le 7 à la magie, ouais, pas très. Quoique je vais pouvoir caster Charge Bolt quelques fois. Et aussi apprendre ça. Ça va bien, ça va bien.
Un anneau. Oh. Et rien pour l'identifier, par contre. Ouf, ouf, ouf. Non, là, ça va pas, là. Je pourrais peut-être essayer de résister jusqu'à la... Je pense que ça se fait si je suis correct. Petit peu de chance, puis je vais l'avoir. Mon niveau supérieur. Manque 2000 d'XP. Fais un peu attention. Quand j'ai trouvé le niveau 4. Oui. Quand tu approches d'un niveau, d'une sortie pour le prochain niveau, il n'y a pas d'ennemis dans un rayon autour. Pour ça, je le savais. Là, par contre, je n'irai pas là tout de suite. Ici, c'est bon. Je vais avoir mon niveau supérieur. Oh, oh, peut-être pas, peut-être pas. Oh boy. Il manque 6. Je pense que le prochain coup me tue. Oh boy. Manque 1000. Mais 900. 900. Oh boy. Oh, il y a un archer en plus. 3 archers. Eh ben. Ouais, je suis mort. Et j'aurais peut-être... Puis je pensais revenir dans le niveau inférieur, mais je me disais non. OK, bon, ben, on continue. On continue. J'ai encore du temps. J'ai 20 minutes. Là, ce qu'on va faire, c'est que... premièrement, j'arrête le chrono. À peu près 17 minutes. C'est pas les bons temps ce soir, hein? En même temps, j'essaie de passer tous les persos qui sont jouables en même temps. Alors, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre là. On va prendre un des 3 qu'on n'a pas joué. Donc, qui ça va être? Rogue, Bard ou Barbarian? Le Bard. Ah, elle est pas très bonne. J'aurais préféré le Barbarian, mais bon. Ou la Rogue. La Rogue, c'est un perso que j'aime. Alors, on y va. Donc, on va se partir un nouveau perso. Donc, c'est Bard qu'on a dit. Et nous partons ça maintenant. Voilà. Le chrono est parti. Donc, la Bard, elle peut attaquer avec 2 armes. Mais en réalité, elle a l'animation d'une attaque à 1 arme. Mais elle monte ses dégâts. Elle a un pouvoir intéressant. Son pouvoir passif, c'est qu'il demande aucune mana. C'est de pouvoir identifier des items à volonté. Alors ça, c'est bien. Mais ça se limite à ça. Et je viens de faire une gaffe. Je viens de prendre des dégâts inutiles pour commencer. Ah ben voilà, un sabre. Plus 1 to magic. On va voir ce que ça dit. Déjà, 2 à 13, c'est très bon en dégâts, mais elle attaque pas super vite non plus. Donc, ça, c'est à savoir. Hmm.
2 à 13, c'est très bon en dégâts, hein, donc... C'est juste qu'elle est pas forte. Oh, direct en commençant des bonnes armes. Salut Joanne, ça va bien? Content de te voir sur mon stream. T'arrives un peu sur le tard, ben y'a pas de problème. De manière, il me reste à peu près 20 minutes. Book of Firebolt. Oh, merci. Bon de savoir qu'il y a ça. Comment s'est passée ta journée? Alors... Ok, elle a un bon casting speed. C'est bien. Bien. Ah, parfait, Joanne. Une bonne journée. Moi, correct. À tous les jours, je fais de la paperasse puis de la gestion logistique pour notre déménagement à venir, la vente du condo aussi. On doit passer chez deux fois chez le notaire. Une fois pour vendre, une fois pour acheter. Aujourd'hui, moi j'ai une mauvaise surprise, mais c'est que la notaire de l'acheteuse demande, un document qui m'a pas été donné. Un document copie conforme papier. La déclaration de copropriété qui ne m'a pas été donnée lorsque j'ai emménagé ici. Et là, on a essayé de trouver des solutions. On a dit, est-ce que si on t'envoie ça de façon numérisée, ça fonctionne-tu? Elle a dit non. Alors, il faut absolument une copie conforme signée par une notaire. Et c'est ça. Donc, ça va être des frais de 50$ pour avoir une version copie conforme. Mais bon, c'est les lois des notaires et de l'aspect juridique et légal du notariat. Alors, c'est ça. Là, je vais attendre d'être au moins gagné un niveau ici avant d'aller plus bas parce que je vais me faire ramasser en tant que barde. Je vous rappelle que ces persos-là, ils sont pas dans le jeu de Hellfire de base. Il faut aller jouer dans les fichiers de configuration pour ajouter ces personnages-là, le barbare et la barde, parce qu'ils sont pas dans le jeu de base. En fait, ce sont des classes... Développé par... comment il s'appelle déjà? Et ça va pas bien. Développé par Sierra. Et c'est ça. Il avait pas fini ces classes-là. Puis ils les ont ajoutées. Mais ils les ont enlevées du jeu final parce qu'ils étaient pas prêts. Mais avec un changement au fichier de configuration, on peut les avoir. Ça, c'est bien. Je vous dis, ce perso-là est vraiment faible. Mais ouais, de la paperasse. C'est ça que j'ai fait aujourd'hui, en partie, pendant que je travaillais. Parce qu'il faut que ça avance. Seulement, les dossiers pour passer chez le notaire doivent être prêts 3-4 semaines avant la date de passer chez le notaire. Alors, moi, c'est le 2 avril, alors, dans un mois. C'est pour ça qu'on travaille fort pour que tous les documents soient là. Alors, c'est l'objectif de la manœuvre. Yep. OK. On va essayer de se rendre le plus loin possible sans trop jouer les cons. Là. Allez. Bon. Toi, Joanne, ta journée, qu'est-ce que t'as fait? Oh non, un boss. Je suis près d'un level. Ouais, je vais les attirer ici. Aïe aïe!
Mais voyons, je suis tombé pas bon ce soir. J'ai regardé ailleurs pendant une fraction de seconde, ça l'a fait ça. OK. Alors, il nous reste deux persos qu'on n'a pas joué encore ce soir. Alors, qui ça va être? Hey, 6 minutes 30, c'est vraiment horrible comme run. OK, donc nous allons ici. Une partie de moi qui a hâte que ça se finisse, peut-être. Ça va être Rogue. Ouais, Rogue. Alors, voilà. Je pense que ça va être plus long avec la Rogue. Parce que les persos que je viens de jouer, Monk et ainsi de suite, c'est des persos que Monk, Bard, je suis pas habitué de jouer ça, je sais pas comment les jouer, je suis pas très bon. Rogue, ça devrait aller beaucoup mieux. Mais là, il faut que je regarde le temps aussi. Donc, ouais, les impôts, t'as dit, Johan a acheté une manette, et c'est oui, tu l'as envoyé la photo de ta manette, effectivement, manette de Xbox, pour PC, en fait. Alors, ouais, ben, félicitations pour ton achat. Mais ouais, pis t'as essayé ton costume de Queen Sonia, oui, comment qu'il va? As-tu des photos? Mais ouais, sinon, moi aussi, j'ai fait mes impôts. Alors, c'est fait, c'est envoyé. Tout ça, c'est fait. J'ai fait ça ce week-end. Hey, j'ai oublié de partir le cadran, je m'excuse. On va le partir là. Voilà. Ah, tu vas jouer un jeu tout à l'heure. Ouais, lequel, Johan? Dreamlight Valley, t'as-tu continué à jouer? J'entends de très bonnes choses sur ce jeu, d'ailleurs. Ok, regardons qu'est-ce qu'il y a ici. Charge Bolt, ouais. Elle est pas faite pour se battre avec la magie, là, donc... Ouais, tu joues tous les jours. Ah, parfait, Johan, je suis content que tu aies le temps et le désir de jouer. Moi, je joue pas tous les jours ces temps-ci. Give and you shall receive. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Je sais pas. Alors, continuons par là. Avec la Rogue, c'est presque relaxant. L'archère, presque relaxant à jouer. C'est juste tirer des flèches. Oh, c'est pas très compliqué. Comme si t'avais un fusil, tu bouges pas pis tu t'éloignes quand les ennemis sont trop proches. Ils vendent vraiment fort dehors. Est-ce qu'ils vendent fort là où t'habites, Johan? Stone Shrine. Ouais, le vent est fort, il pleut, ouais. Ouais, moi, les murs tremblent un petit peu, là. Je veux dire, t'entends le vent comme cogner des fois avec les rafales, là. La nuit va être difficile, je pense. Avec le vent, le bruit. Ok, le niveau 2 est là, parfait.
bien. Qu'est-ce qu'il y a par là? Oh, des archers dans ce niveau-là. Oh, des ghouls. Première fois que je les vois ce soir. Ah, merci. Avec les pièges dessus. Ça va pas marcher, ça. Ouais, c'est pas 100% de chance de les désarmer. Oh boy, ils vont. Je pense qu'on n'ira pas par là. Allez, venez-vous-en. Qu'est-ce qu'ils font? Bon, ça a l'air qu'ils viennent pas. Ah, d'autres archers. Ouais, c'était pas le niveau pour elle, hein? Ouais. Bon, ben, il reste un perso à essayer ce soir, et c'est le barbare. Puis, 5 minutes de run, c'est dégueulasse. Pas grave. Là, mon but, c'est, vu que c'est la dernière soirée que je joue, que je fais ce défi-là dans Diablo 1, j'en profite un petit peu pour aller plus vite. Donc, je me gâte. Donc, le barbare, c'est le seul perso que j'ai pas joué encore. Puis là, on va partir le temps. C'est un perso qui est pas précis dans ses coups, mais qui a beaucoup de points de vie et qui attaque avec des haches et les haches et les massues. Il est vraiment bon. Il peut équiper des armes à deux mains. The sanctity of this place has been à une main, je veux dire. Alors, ça, c'est bien. Il y a zéro. Le truc qui le distingue des autres, c'est qu'il y a zéro de magie. Donc, zéro point de base en magie. Il n'y a pas de mana. Donc, il y a quand même du dommage intéressant au corps à corps. Pour commencer, 3 à 6, c'est bon. Il peut faire des attaques quand il y a une massue ou une hache dans ses mains. Quand il fait une attaque, il peut faire on fait ce qu'on appelle des dégâts de zone. Donc il peut pogner plus qu'un ennemi à la fois. Et comme c'est dommage dépendre de sa vitalité, donc il peut avoir beaucoup de points de vie très rapidement. Le problème, c'est qu'il est très faible. Il a une classe d'armure faible. Puis c'est plus difficile pour lui de frapper des ennemis. Il y a un pouvoir de rage que je n'utilise pas parce que ça baisse la vie. Mais ça le rend temporairement plus puissant. Mais j'ai pas l'intention de l'utiliser en ce moment. Tuer lui dans le coin. Merci pour le niveau supérieur. On met tout en vitalité avec lui. Staff of Healing, pas utile. Mais bon. On le prend quand même. Ah.
Aïe aïe. Hey, ça m'en fait 91 de ces petits démons-là que je tue ce soir. 92. Hey, excusez-moi, vous voyez pas la grille de bingo, right? Excusez. Ah, mais c'est parce que... Ah, excusez-moi, j'ai fait une erreur. Là, ça devrait aller mieux. Depuis tantôt, je suis comme, je partage mon écran, mais d'une manière un peu bizarre. Alors là, ça devrait aller mieux. Les amis. Ok, il n'y avait rien à faire ici, sauf un skeleton tome. Peut-être un parchemin utile ou pas. Le chapeau. Oh, des potions, mais je peux pas les prendre. Le niveau 2. Il y a un gros zombie là, pas fin. Il est pas fin. Et... Je veux pas que ça dure trop longtemps, je suis à mon heure de fin de stream. Reste combien d'XP, ouais. Là, je suis vraiment je prends des gros risques là, en ce moment pour finir ça vite. Mélange de speedrun et de no healing. Ah, ça t'en va, Sean? Ah ben moi aussi, parce que j'ai fini. Je viens de crever. Alors, yeah, ben merci, Johan, d'être là. Puis toi aussi, passe une belle soirée. Moi aussi, je vais y aller. J'ai faim. Il est 21h02. C'est mon heure de fin de stream qui est passée. Alors, voilà. Donc, on se dit à la prochaine, tout le monde. D'ailleurs, pour mes prochains streams, là, il va y avoir un GDI News samedi. Je ne sais pas quel jeu va suivre, mais je vous tiens au courant sur les internets.
Et sinon, mercredi prochain, c'est pas confirmé à 100% encore, mais j'aimerais faire un stream de dards, donc des fléchettes, des dards sur, avec une cible au mur. J'aimerais vous montrer ça. Le temps d'un seul stream, je voulais le faire au moins une fois avant de déménager puis de changer de maison. Alors, je viendrai voir ça mercredi. Ça risque d'être le fun, d'être relaxant. Je vais vous expliquer en quoi ça consiste. C'est quelque chose que je fais dans mes loisirs depuis quelques mois déjà. J'ai beaucoup de plaisir à le faire et je vais le partager ça le temps d'un stream avec vous. Donc voilà, le message est passé. Sinon, passez une belle soirée tout le monde. Bye Mega, bye Joanne et à la prochaine. Salut!